Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage du casque Kenny Scrub. Donc il est encore emballé dans le colis, on va le déballer. La facture. Et le casque. C'est le King's Club. Ça a l'air beau. Donc il est fourni dans une petite housse, dans un petit plastique d'abord. Donc il y a une petite housse, ça peut servir pour le transport ou quoi. C'est sympa. Voilà. Donc il est plutôt léger. Il pèse 1,1 kg. Okay. Une petite notice. Les mousses, on peut les démonter à l'intérieur. Donc, c'est bien si on veut les laver. La finition, elle est vraiment très belle là. Donc là, c'est gris. Ça, on voit très bien, jaune fluo et noir. Donc j'ai pris taille M. Donc c'est à peu près un tour de tête de 57-58 cm. Donc il est vraiment très ventilé, hein, cette ventilation. Donc je vais le mettre, on fait une petite pause et on se retrouve tout à l'heure. Donc on se retrouve, donc j'ai mis le casque. Il est vraiment très confortable. Donc le champ de vision assez large, hein, je vois jusque là. Oh, la mentonnière, on la voit un petit peu. La visière, bon là elle est au plus bas, donc on la voit un peu. Au plus haut, on la voit plus. Donc pareil, là, je vois à peu près jusqu'à là. Donc le masque, c'est un 100% orange avec l'écran miroir. Donc par contre, ce que j'aime pas trop, c'est par exemple pour fixer la fixation de la GoPro, le casque il est pas tout à fait incurvé. Donc voilà, pareil au-dessus du casque. Et j'ai dû mettre un peu de colle sur les côtés. Et puis je voulais mettre la GoPro aussi là, sauf que ça fait une petite bosse. Donc j'essaie de trouver une solution, mais pour l'instant je ne peux pas l'accrocher. Donc pour fermer le casque, c'est une double boucle ajustable en D. Donc c'est très bien, il faut juste avoir l'habitude pour serrer. C'est super. Bon, bah on se retrouve pour de prochaines vidéos. Donc j'ai pas mal de projets en tête qui arrivent. Allez, salut à tous!